私は国政リーユエ七世のユーヘンよ。無駄な時間を過ごしてると仕事が終わらないわよ。行こう、時間は有限よ。変革の時は来た。千年続いてきた秩序はついに終わる。この歴史的瞬間を私と共に見届けるわよね。はっやっはっはっはっ、行け自由のごとく。瞬く間に、はっ、我が剣よ、影に従え。目標を定めて日々努力を重ねればいずれ成長するのよ。Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, il est temps de faire le test et la review de ma Keqing. Donc je vais dire Keqing pendant la vidéo, vous m'en voudrez pas pour la prononciation. Ma prononciation chinoise, elle est désastreuse. Et du coup, on va faire un test de ma Keqing. Donc je vais vous dire comment je la stuff. On va voir combien elle tape, etc. Et si vous voulez un guide plus complet donc sur le perso, par exemple à quoi sert ses skills, etc., dites-le moi dans les commentaires et on le fera tout simplement. Pour le petit Keqing Master dans le titre, hein, c'est la private joke sur les live Twitch, comme vous le savez, ou même si vous avez vu la vidéo invocation. Quand j'ai eu, en fait, tout simplement, les deux 5 étoiles que j'ai eu depuis le début de mon aventure sur le jeu, ça va être Keqing, en fait. Je l'ai eu, c'est 1, en fait. J'ai eu la première constellation, j'ai eu le perso plus un doublon. Donc c'est vrai que c'est un peu un troll de la part du jeu, mais bon, c'est pas si mal parce que je vais pouvoir vous la montrer encore plus forte que jamais. Donc le perso, ça fait 2 mois que je le joue, c'est vraiment le perso sur lequel je passe le plus clair de mon temps. Tout le reste dans la team sert tout simplement de support pour la Keqing. Donc je mets vraiment beaucoup d'investissement là-dessus et ça va être très intéressant de voir comment et pourquoi. Comme d'hab, le petit pouce bleu et l'abonnement si vous voulez être au courant des vidéos et vous voulez soutenir, ça ferait extrêmement plaisir. On va commencer avec tout simplement le stuff de ma Keqing, donc qui est disponible juste ici. On va commencer par regarder ses stats. Donc on va avoir de base donc du 18 000 en HP, on va avoir 2258 d'attaque, 728 en défense, 58 de maîtrise élémentaire et 224 d'endurance. A savoir que la défense sur ce personnage-là n'est pas très bénéfique dans le sens où de toute manière c'est un perso qui est très fragile et qu'on one-shot plutôt facilement. Donc essayez plutôt d'esquiver avec et d'avoir un maximum d'attaque, de taux de critique et de dégâts électro, ainsi que de dégâts critiques. Donc, pour ce qui est du reste des stats, on a du 73,5% en taux de critique. Ce qui est quand même assez haut, on va critique sur à peu près 3 quarts de nos actions. En plus de ça, on a l'ultimate qui rajoute 15% de taux de critique. Donc, on est à 88,5% presque constamment, ce qui est vraiment énorme. 137,4% de dégâts critiques, ce qui est ma foi assez raisonnable. 122% de recharge d'énergie pour récupérer assez de vite ulti, c'est plutôt cool. 15% de dégâts électro. Et avec tout ça, on arrive à faire quand même des trucs plutôt pas mal. Donc, au niveau de l'arme, on va être sur l'épée noire, l'épée du Battle Pass, qui va nous ajouter 25% de taux de crit, donc level 80, ce qui est énorme pour Keqing, qui a en fait des dégâts critiques de base qui sont assez élevés. C'est pour ça qu'il faut la stuff en dégâts critiques et taux de critique, et 449 d'attaque de base. Il faut savoir que cette arme va avoir une fonctionnalité qui est super importante pour Keqing, donc augmente les dégâts infligés par les attaques normales et chargées de 20%, bon ça c'est standard, mais restaure 60% de l'attaque en PV en cas de coup critique que vous pouvez activer toutes les 5 secondes. Et ça c'est extrêmement bon parce que moi je récupère à peu près 1400 toutes les 5 secondes, donc sachant que j'ai un gros taux de crit, ça va crit très souvent, et en plus de ça, je vais pouvoir récupérer les petits dommages que je prends. Donc il n'est pas rare que pendant un donjon, je me heal au moins une barre de vie entière, donc les 18 000 PV, voire un peu plus. Au niveau des artefacts, donc on va être sur un set moitié électro, moitié gladiateur. Pourquoi? Tout simplement pour augmenter les dégâts électro ainsi que l'attaque de base. Donc on a deux manières de jouer Keqing, soit dégâts physiques, soit dégâts électro. Moi j'ai fait un mix des deux et je la joue hybride, donc ce qui est très bien dans mon cas et que j'aime beaucoup. Sur le diadème de l'invocateur 5 étoiles, on va avoir 31,1% de dégâts critiques, de taux de critique par exemple, pardon. À la base, je voulais des dégâts critiques dessus, mais je suis tombé sur cette couronne qui est extrêmement forte. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir en substat 269 de PV, 31 d'attaque et surtout 19,2% d'attaque. Donc ça, c'est vraiment énorme d'avoir autant de stats dans une même substat, sachant que les substats, en fait,
Elles vont tous les 4 niveaux, vous allez avoir une substat au hasard à partir du level 8 qui va augmenter. Et il arrive que ça monte la mauvaise substat. Vous pouvez avoir des très bons substats, par exemple de l'attaque 1%, de l'attaque normale, de la maîtrise élémentaire. Si ça continue à monter constamment les PV au niveau de la substat, votre item va être pas terrible au final. Donc là, on a vraiment un gros diadème parce qu'il y a du taux de crit et de l'attaque à gogo. On va passer sur du coup le présage de tomber du tonnerre, ça va être le trophée. Donc ici, on va avoir tout simplement 46% d'attaque sur la salle principale et surtout 26,4% de dégâts critiques. Alors, au début, j'étais mitigé et quand j'ai vu que les dégâts critiques sont montés 4 fois sur les 5 maximum d'un artefact, je me suis dit que c'était vraiment énorme et que l'item était vraiment goldé pour le coup. Donc comme vous le voyez là, max d'attaque et de dégâts critiques, un peu de recharge d'énergie. Du PV qui peut toujours servir et un peu de défense qui n'est pas nécessaire. On va avoir un 4 étoiles au niveau de l'espoir du gladiateur. Donc ici c'est l'exemple d'un item qui va être très bon à la base et malheureusement qui ne va pas pouvoir être mieux parce que on va avoir à la base des substats très bons qui ne vont pas augmenter. Donc on a de l'attaque de base, on a recharge d'énergie, dégâts critiques, PV et taux de critique, mais comme vous le voyez c'est les PV qui sont montés à chaque fois. Alors qu'on aurait pu avoir 10-15% de dégâts critiques et la même en taux de crit. Donc c'est assez dommage. L'item reste bon, mais il aurait pu être beaucoup mieux. Et surtout, il est 4 étoiles. Comme vous le voyez, la différence entre les deux items, il y a quand même presque 12% d'attaque entre les deux. Ce qui est clairement pas négligeable. Et même les substats sont beaucoup plus hautes. Donc, s'il y a un item que je dois changer, c'est clairement le sablier. Mais moi, je considère que mon équipement pour le moment est vraiment très correct. Au niveau de la plume, on va voir l'attaque. Donc, l'attaque qui va être de base, de toute façon, la stat sur la plume. On va avoir du taux de crit, 12% de dégâts critiques, qui est quand même pas mal, dans la recharge d'énergie et des PV. Sur la nostalgie du gladiateur, assez goldé à ce niveau-là. Les PV, c'est tout le temps la stat de toute façon des fleurs. On va avoir 14,8% de dégâts critiques. Et ça, c'est énervé. Ainsi que 56 d'attaque et 9,9% d'attaque. Donc ça, terrible, franchement. La fleur qui est là, c'est une des meilleures que j'ai vues. Et en plus de ça, c'est une 5 étoiles. Donc vraiment impeccable sur Ketching. Au niveau de la constellation, on a la première de débloquer, comme je l'ai dit. Ce qui va nous permettre, avec la compétence de base, d'infliger tout simplement 50% de dégâts de zone électro lorsqu'on va activer et réactiver la compétence, ce qui est extrêmement fort. Au niveau des aptitudes, on va être level 7, 6, 6. Donc il y a encore une grosse marge de progression. Pourquoi? Parce que ici, on va avoir besoin du loup du Nord. Et faut il faut qu'il loot le bon artefact, tout simplement. Enfin, le bon item pour pouvoir up ça. Et je ne l'ai eu qu'une seule fois sur les 3 fois où je l'ai fait. Donc sinon, elle serait 9, 9, 9. Donc faut quand même se dire dans tous les cas que les dégâts que vous allez voir là, ils vont être grandement augmentés durant les prochaines semaines. Et de toute façon, je vous referai une review sur le perso quand il sera level 90. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est juste ici que Ching obtient pendant 8 secondes un bonus de taux de critique et de recharge d'énergie de 15% lorsqu'elle libère Promenade Céleste, donc son ultimate. Au niveau de l'aptitude passive, c'est quand on va activer sa compétence, elle va convertir tout simplement ses dégâts de base en dégâts électro pendant 5 secondes. C'est pour ça que je trouve que les dégâts électro sont très importants sur le personnage. Ceci étant dit, on va faire le test. Donc hop, on a ici les petits blobs géo. Donc on va commencer du 2000 et au retour, on va infliger ici du 5000. Sachant que de base, le personnage sur des brutocoulinistes, donc les persos qui ont des résistances correctes, donc les résistances normales, sachant que ces blobs-là ont un peu plus de résistance au niveau de l'électro de ce que je vois, vont. Je vais faire du 10 000 en fait en zone avec la compétence de base qui est plutôt très fort. Donc la sucrose ici va booster mon attaque et regardez combien je vais infliger. Du 2000 et du 7000 et 1600. Du coup, on est à du 11 000 de dommages, un peu plus, ce qui est quand même assez énervé pour le coup. Sachant que, faut savoir que dans ma team, j'ai actuellement deux personnages pyro, donc ça va augmenter de 25% mon attaque, c'est pour ça que j'ai 2258. Et lorsque je mets Sucrose, qui est un livre, pour booster l'attaque du perso que je change en fait, hein. Si je mets Ketching après la Sucrose, je vais avoir un boost d'attaque, comme vous allez le voir juste ici, il y a un petit temps de récupération, hop. Et comme vous voyez, j'ai l'attaque boostée, je vais passer de 2002 à 2600, ce qui est quand même plutôt énervé. Comme vous pouvez le voir. Donc ici on a vu les dégâts tout simplement des compétences électro. Maintenant on va aller chercher des mobs pour tester tout simplement ses compétences de base. Donc on voit qu'il y a un blob juste ici. On va faire les attaques classiques physiques. On voit qu'on inflige quand même du 1800 en moyenne sur les critiques. Sachant que j'ai un gros taux de critique et que je n'avais même pas mis la sucrose cette fois-ci. J'ai trouvé un camp du coup avec des persos un peu plus coriaces. On va y aller tout de suite et je vais vous montrer tout ça. Hop, on va mettre la sucrose.
Et regardez les dégâts de base, là on passe sur du 2000. On passe de 1800 à 3500 de dégâts. Là on se prend un peu de dégâts, ce qui est normal. On va aller tout simplement lâcher l'ultimate juste ici. Et là je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Hop. Là je me suis pris un coup mais c'est pas grave. Je vais vous montrer les attributs, regardez. Je suis à 88,5% de taux de critique. Comme j'ai lâché l'ulti avec le passif que vous avez tout à l'heure. Et ça fait plutôt très mal. Bon, hop. On va quand même éviter de se prendre masse dommage. Vous voyez, c'est ça qui est super avec ce perso. C'est qu'il est vraiment très mobile. Et que c'est tout simplement super jouissif de jouer. Vous avez vu quand même les esquives qui collent, c'est quand même assez énervé. Son gameplay est vraiment très fluide et c'est pas rigide du tout, donc on peut placer beaucoup d'esquives et de coups en fait avec des petites nuances en fait, dans le sens où ici en fait si je le tue je vais manger le tonneau, donc on va éviter. Je vais aller faire tout simplement un truc un peu plus compliqué pour vous montrer vraiment l'étendue du perso. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc, je vous ai montré les dégâts sur les mobs classiques. Vous voyez que je tapais du 3000 en critique, voire 3500 sur le dernier coup, sur des Brutocolinus. Au niveau des dégâts électro, je faisais du 10 000 à 12 000 avec, en zone en plus, avec la compétence de base, qui a très peu de temps de recharge, comme vous voyez là, 7 secondes. Et au niveau de l'ultimate, donc on calait quand même des dégâts qui étaient pas mal. Maintenant, on va faire le nouvel event. En espérant qu'il n'y ait pas de mobs trop relous, sachant que ces mobs-là sont tout simplement boostés et ont beaucoup plus de défense et de PV que les mobs classiques. Donc je vais pouvoir vous montrer en situation réelle comment c'est et puis vous montrer l'étendue de sa puissance avec la team que j'ai, surtout parce que c'est surtout au niveau de ça qu'on peut juger. Donc là, j'ai eu le pire truc possible en ligne, c'est vraiment... Je vais pouvoir montrer les dégâts de base, vous voyez qu'ils sont assez hauts quand même. On va mettre Sucrose, on va la remettre. Regardez les dégâts, 5000. On a quand même du 10 000 en fait sur le coup. Bon là il a activé du coup son bouclier. On va en activer une autre parce que comme vous l'avez vu c'est des mobs avec des boucliers. Je vous ai montré quand même qu'elle faisait du 10 000 sur le crit avec l'attaque de base chargée. Ce qui est quand même assez conséquent à ce niveau là. Et là on va être du coup contre un assassin des fatuits. Donc hop. Elle a esquivé, hop. Là on va mettre Bennett, hop. Bennett qui va apporter un petit boost de dommage lorsqu'on est dans la zone. Sachant qu'il faut rester dans la zone bleue pour pouvoir tout simplement récupérer les points pour le nouvel event. Donc là vous voyez que ce mob là est clairement au-dessus des autres de manière générale. On va venir caler l'ultimate. Donc comme vous le voyez, grosse réaction élémentaire. On va se placer de l'autre côté pour pas qu'il s'éloigne, mais en fait c'est quand même éloigné. On l'a fait, hop. Vous voyez que le gameplay est vraiment super jouissif hein, pour le coup. Tu te sens léger quand tu joues catching tout simplement. Et voilà, je pense que la nécessité entre guillemets. On va quand même lâcher, hop, le petit ultimate. Voilà. Hop là. Faut savoir que les dégâts électro se combinent très bien avec les dégâts pyro. On a une explosion en zone qui inflige énormément de dommages. Donc là notre but de toute manière c'est pas de finir l'event, c'est juste de vous montrer combien elle tape. Donc vous voyez que depuis tout à l'heure je me suis rechargé énormément de PV avec ma catching. Vous voyez les 1355 qui pop de temps en temps. Et là on va pouvoir, hop, vous montrer les dégâts avec l'ulti de Bennett. Ah bah malheureusement il est encore sorti du cercle. Vous voyez du 4000 hein. Pas moins de 4000 quand même sur les coups. C'est assez énervé. Et on va finir avec l'ulti qui va mettre combien sur le dernier coup. Du 3132. Qui n'a pas crit je pense. Et hop là on finit ça tranquillement. Donc voilà pour ce petit showcase. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu. Vous en ressortirez un quand ça sera level 90 évidemment. Ne vous inquiétez pas à ce niveau là. On sera en live sur Twitch juste après je pense. Donc n'hésitez pas à passer ce soir. On va faire un peu de Genshin et puis on va passer sur un live émission. On va se taper plutôt des barres sur tout ce qui est Pascal le Grand Frère etc. Sinon tout du lundi au jeudi ça va être 19h30.
L'élève Genshin quotidien fait de la coop pour farm, etc. J'espère que cette vidéo vous a plus plu. Je vous souhaite beaucoup de luck pour vos aventures. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. À la prochaine.